comment on optimise la visibilité d'une vidéo sur YouTube. Il n'y a qu'une chose déjà à savoir fondamentalement, puis après je vais vous donner toutes les petites astuces qu'il faut remplir et vous aurez un truc au top. La chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que YouTube est un moteur de recherche. Comme Google, c'est la même maison, c'est le même principe, c'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé dans le monde, c'est celui de YouTube. Comme Google, voilà. Donc le principe déjà de base des vidéos que vous pouvez mettre sur YouTube, c'est est-ce qu'elles sont potentiellement cherchées par des gens. Plus vous parlez de sujets qui sont recherchés par les gens, plus vous avez un potentiel de visibilité. Plus vous allez sur des sujets qui sont demandés par personne, parce que vous voulez les faire découvrir, ce qui est très, très bien, et ben moins vous aurez de visibilité. Donc, à chaque vidéo que vous faites, si vous voulez de la visibilité, et si vous n'êtes pas un gros influenceur qui a déjà 10 millions d'abonnés, dites-vous déjà, si je parle d'un sujet que personne cherche, faut même pas que j'essaye, ça marchera pas. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, moi je le fais. Parce que je me dis, au moins c'est là, j'aurai informé des gens. Bon, même si c'est 4, c'est pas grave, c'est bien comme ça. Très bien, je suis content. Bon, si vous voulez de la visibilité, ben il faut parler d'un truc qui est recherché par les gens. C'est le truc basique à savoir. Une fois que vous savez ça, vous vous dites, j'ai fait ma vidéo pour être vu par des gens qui vont chercher tel truc. Bah, ce tel truc, c'est votre expression clé. On va dire ça comme ça. C'est l'expression, le mot, la recherche qui va faire le lien entre ce qu'il y a dans la tête des gens qui cherchent et le sujet de votre vidéo. Voilà. Si vous voulez faire découvrir des nouveaux sujets que personne ne cherche, il faut faire autre chose. Il faut aller sur les réseaux sociaux, il faut faire du TikTok, faire des trucs. Là, ça marche. Sur YouTube, non. Vous aurez de la visibilité que sur des trucs qui sont recherchés. Alors, vous vous dites, par exemple, je sais pas moi, tiens, il y a plein de gens qui cherchent l'affaire Coé. Bah, vous faites une vidéo qui s'appelle l'affaire Coé en détail. Que s'est-il passé dans l'affaire Coé? Et là, vous avez un bassin de visibilité énorme. Et puis, vous y allez. Alors ça, c'est votre expression clé, vous voyez. Et une fois que vous avez ça, eh ben c'est parti, les amis, pour la petite rigolade. Je vous conseille de mettre dans le titre de votre vidéo l'expression clé que vous avez identifiée. Donc, votre titre, ça doit être sous forme de question, sous forme de how-to. Deuxième chose, vous faites un premier texte dans votre description de vidéo dans laquelle vous reprenez aussi votre expression clé et tout ce qui est lié. L'affaire Coé, l'animateur radio célèbre Sébastien Coé a été dans une affaire. Troisième élément, à la fin de votre description, vous rajoutez, là j'en ai trop, 3-4 hashtags. Quatrième élément, vous mettez un petit, sous cette forme-là, un petit pavé de texte où vous décrivez à quel moment vous parlez de quoi dans votre vidéo. Minute, 2 points, seconde, et puis un petit titre de votre chapitre. Vous faites le chapitrage de votre vidéo, si possible en reprenant aussi les expressions clés que vous avez identifiées. Vous n'oubliez pas ensuite de descendre tout en bas du truc pour aller remplir toute une petite volée, alors pas trop, mais assez, de tags. Là, vous pouvez remplir des tags, donc des expressions clés. Donc vous mettez Sébastien Coé, affaire Coé, tribunal Coé, gna 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 gna. Vous n'oubliez pas de mettre les langues dans votre langue, langue français. Vous n'oubliez pas de faire générer les sous-titres également de votre vidéo, ça se sous-titre automatiquement dans YouTube, et de mettre tout ça en français. Et vous allez rajouter un écran de fin, et c'est les petits trucs qui s'affichent à la fin de votre vidéo pour dire « abonnez-vous à ma chaîne ». Voilà. Et vous allez rajouter une fiche également. Les fiches, c'est les petits trucs qui apparaissent en haut à droite des vidéos pour dire « vous pouvez aller regarder plus d'informations ici ». Maintenant, la petite cerise sur le gâteau, c'est que je vous recommande d'installer un outil qui s'appelle « Tube ». Buddy, qui est un add-on à votre navigateur que vous installez et qui vous donne des informations après directement dans votre page. Vous voyez, il peut générer un titre avec l'expression clé que vous voulez. Il peut vous donner un truc qui vous permet d'ajouter des chapitrages plus facilement. Il peut vous permettre de faire des vignettes et il vous donne plein de petites informations supplémentaires. Donc ça, c'est pour tout ce qu'il y a à faire sur votre vidéo au moment où vous la publiez. Et le deuxième volet, vous voyez ici que il y a un écran qui s'affiche dans mon lecteur de vidéo. Donc là, je suis plus dans mon YouTube Studio où j'uploadais ma vidéo. Là, je suis dans YouTube normal où je regarde ma vidéo. Et là, c'est ma vidéo. Et ben, vous avez TubeBuddy qui vous met tout un tas d'informations sur votre vidéo. Et notamment, ce truc-là que vous devez regarder ici, c'est le score SEO de votre vidéo. Vous checkez. Et si vous voyez que vous n'avez pas un bon score, genre en dessous de 90%, vous remodifiez. Ça, c'est un score qui vous met à titre indicatif pour vous dire est-ce que tu as bien mis
l'expression dans le titre, dans la description, dans les tags, dans les hashtags et tout le bastring. Si vous avez bien fait votre boulot, vous avez un bon score ici. Il vous donne aussi une petite liste de trucs qu'il y a à faire. Donc, ça me permet de vous donner les derniers éléments de ce que vous auriez à faire pour améliorer encore votre vidéo. C'est assez simple. Vous mettez un premier commentaire sous votre vidéo, vous-même, pour inciter les gens à discuter. Ah, vous en pensez quoi de l'affaire Coé, à votre avis? Vous écrivez votre commentaire et vous allez dans les trois petits points qui sont ici. Vous faites épingler le commentaire pour qu'il reste tout en haut. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez avoir une copie parfaite et votre vidéo, elle aura beaucoup plus de visibilité que si vous n'aviez pas fait tout ça.